et je vais vous présenter ce qu'on a prévu pour l'année 2015 chez Panini. Donc nous avons un certain nombre de sujets à traiter, donc voici le sommaire. Nous avons donc Star Wars Insider, le magazine qui parle de tous les aspects de Star Wars. Nous avons donc les publications Kids, qui sont Star Wars Rebels et Star Wars Lego. Nous avons des comics, Star Wars, je vais vous dire, et leur adaptation aussi en format libre. Donc pour commencer, donc Star Wars Insider, donc Thierry parlait de Patrice Giraud. Patrice Giraud, donc, c'est le fondateur de Lucasfilm Magazine, qui a été donc, un magazine très important pour les fans de Star Wars en France, et qui malheureusement a cessé sa publication il y a de ça 5 ans et demi, mais du coup maintenant il y a un nouveau magazine qui prend la place. C'est donc Star Wars Insider qui, pour le premier numéro, la couverture, donc la couverture Luke, bah, c'est souvent pour aujourd'hui élégant, et aussi la couverture Vador. Et donc l'idée, c'est d'en faire rapidement un bimestriel. On commence sur un rythme plutôt trimestriel, tranquille, à la cool, et au moment de l'arrivée des films, on sera en bimestriel pour les longues années à venir devant nous. Donc au passage, n'hésitez pas à écrire à la rubrique courrier des lecteurs, parce que c'est vous qui l'a fait. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont déjà écrit et qui ont été publiés donc, dans le premier numéro. Donc j'en suis rédacteur en chef, donc c'est vrai que voilà, j'y mets beaucoup de temps, mais c'est aussi grâce à vous qu'on va le faire. Dans Star Wars Insider, donc, on a des articles qui sont inédits pour la France, entre autres justement l'édito qui a été signé par Patrice Giraud, et il signera un article dans tous les numéros à intervalles réguliers pour voilà, nous apporter toutes ses connaissances sur Star Wars. On a tout à l'heure durant la conférence de Star Wars Universe, Adrien en parlait, on a des nouvelles inédites qui sont canoniques, qui sont dans l'histoire officielle donc, décidées par le Story Group, qui seront publiées dans tous les numéros de Star Wars Insider en France. On aura une nouvelle inédite à chaque fois. Et évidemment, on a les coulisses de la saga aussi qui vont être découpées, que ce soit les films, les dessins animés, les comics, les romans, etc. etc. Et évidemment, on a aussi la possibilité de parler de l'actualité de Star Wars en France. Donc, par exemple, dans le premier numéro de Star Wars Insider, on est sorti, il y a une grosse semaine, on parlait de génération Star Wars à succès des premiers numéros. Et on parlera du réveil des fans dans le prochain. On a aussi des publications qui sont destinées donc, aux enfants, ou à nous aussi, hein, on peut les lire. Donc Star Wars Rebels, qui est un magazine qui a pour univers la série animée, dans laquelle sont publiés les comics qui seront republiés plus tard dans l'année par mon confrère de chez Delco. Et on a également une revue Star Wars Lego qui commence en juillet et qui sera également mensuelle et dans lequel il y aura des Lego exclusifs donc qu'on ne trouve pas en vente ailleurs et qui seront donc disponibles dans le magazine. L'autre grosse actualité, c'est les comics Star Wars. Donc comme ça a été expliqué déjà deux fois là, dans la dernière demi-heure, donc le repasser dessus, mais assez rapidement, les nouveaux comics Marvel ont commencé en janvier, donc juste là, sont des comics officiels dans l'histoire qui racontent la vraie histoire dans la continuité des films. Et ils seront publiés en France donc, de manière assez soutenue, c'est-à-dire que, comme je disais, ça a commencé en janvier, et ils sont déjà présents en France dès aujourd'hui à QCET. Une exclusivité, il est en avant-première, il sortira lundi partout, pour savoir c'est logique, mais on le trouvera dès aujourd'hui à QCET, mais on a une couverture spéciale qui est limitée à 1000 exemplaires et qui est destinée juste au salon. Vous pouvez voir, hein, il y a le symbole des héritiers de la force dessus, et encore une fois, on les remercie, nous aussi, hein, de nous avoir invités et d'organiser ce
formidable salon tous les ans. Dans le magazine Star Wars, on retrouve deux séries. On retrouve la série donc Star Wars de Jason Aaron et de John Cassady qui suit les héros en fait, et la série Darth Vader de Guylaine et La Roca qui elle va suivre du coup plutôt Darth Vader. Et voilà, ils sont publiés au rythme de deux épisodes à chaque fois pour les deux séries dans le magazine. Pour ce lancement du numéro 1, on a vu les choses en grand. On a fait 10 couvertures disponibles en kiosque. Là, il y a la scène de Darth Vader. Et à côté, il y a une couverture avec Yoda, qui est une couverture qui a été créée spécialement pour Panini Comics. On a 5 couvertures. Alors, je ne les ai pas toutes mises, hein, mais vous pouvez le voir, vous pouvez les trouver assez facilement. Et on en a un certain nombre, mais 10 pas aux USA qui ont été faites spécialement pour Panini Comics. On est assez fiers. On a aussi un coffret vraiment pour collectionneurs. Il est limité à 700 exemplaires avec 11 fois de magazine dedans, mais pour avoir toutes les couvertures variantes, etc. Et on a donc 4 couvertures collector, celle qui est disponible ici à Cusset, et 3 autres, dont une, par exemple, là, moi aussi j'ai choisi de parler de la grande récré, et donc de mettre celle d'un Français, Paul Renaud, qui signe une couverture exclusive pour la grande récré, et qui sera d'ailleurs pour les Parisiens, on va avoir quelques-uns aussi, mais pour les quelques Parisiens qui sont là, vous pouvez venir à la grande récré à Beaugrenelle samedi prochain. Il y a Paul Renaud qui dédicace cette couverture. Alors, après la publication en kiosque, il y a la publication en librairie. La publication en kiosque, donc, elle se fait dans des revues comme ça, belle qualité, joli dos, voilà, tout ça. Mais à la fin de l'année, on les republie directement en librairie. Donc, à la fin de l'année, on aura les tomes 1 en octobre. Donc, la date n'avait jusqu'ici pas été annoncée, donc c'est une micro-news, mais bon, c'est une news quand même. En octobre, il y aura les tomes 1 de Star Wars, donc la série de Jason Aaron, et le tome 1 de Darth Vader, la série de Kieran Gillen. Là, les couvertures sont juste là pour illustrer la news. Je ne sais pas si les couvertures officielles, c'est juste histoire de voir des jolies illustrations. En novembre, pareil, ça n'avait pas été annoncé, mais en novembre, on aura la mini-série Princesse Leia qui sortira directement en librairie, et le premier tome de la série Kanan, le dernier Padawan, qui revient donc sur un des héros de la série Rebels, et sur son passé quand il était justement Padawan, au moment de l'Ordre 66, ce qui n'est pas le meilleur moment pour être un Padawan. Et donc là, on est en novembre. En librairie, on a parlé de à peu près tout ce qui sortait. Donc, a priori, là, on a fini. Sauf, évidemment, si j'avais une news exclusive que j'avais gardée sous le coude pour maintenant, pour Cusset. Donc, en décembre, juste avant la sortie du film, vous aurez Shattered Empire, donc la série qui va faire le pont entre l'épisode 6 et l'épisode 7, qui sera proposé directement en librairie et qui sera publié donc juste après les États-Unis, vu qu'elle viendra normalement d'être finie le mois d'avant aux États-Unis. On vous la proposera vraiment le plus rapidement possible en France pour que vous puissiez le lire juste avant d'aller voir le film. Donc, histoire de résumé, disponible, vous avez la revue pour kids Star Wars Rebels, vous avez Star Wars Insider, vous avez, bon, on va dire qu'il est disponible, vu qu'il est sur le salon, le magazine comics Star Wars. En juillet, vous aurez Star Wars Lego qui viendra rejoindre la ligne kids, le tome 2 du comics et le numéro 2 aussi de Star Wars Insider. À la fin de l'année, c'est plutôt le moment de la librairie avec les sorties des tomes 1 de Star Wars, Star Vader et Kanan, ainsi que Princesse Leia et Shattered Empire. Et en 2016, alors évidemment il y a des choses dont je ne peux pas encore parler, mais il y aura la série Lando sur Lando Ferguson et les tomes 2 des séries qui avaient les tomes 1. Donc voilà, ça conclut la partie sur Panini Comics. Merci d'avoir écouté et d'avoir suivi cette présentation. Je vais demander à Thierry de me rejoindre histoire de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez.
c'est que je vais répondre aux questions pour Pauline et puis on va aller voir comment c'est. Non, mais ce que tu es en train de dire est parfaitement valide, parce que j'en parlais avec Sophie il y a moins de 10 minutes. En fait, je disais, effectivement, Disney nous facilite énormément les choses, pour être très honnête, et ça va être un joyeux bordel. Parce qu'on va se retrouver bien entendu avec des titres qui sont identiques. Bien sûr, on lance une série Dark Vador. Bien sûr, on va publier Rebels. Mais il se trouve que ce titre-là existe aussi, que ce soit en presse d'un côté ou en web, parce qu'on voit bien entendu Canal, le dernier Padawan, qui est directement lié effectivement à l'univers Rebels, que nous exploitons normalement en album. Maintenant, on n'a pas du tout prise là-dessus. Pour être très honnête, c'est quelque chose qui nous descend de Disney, une décision de Disney, qui fait qu'ils ont choisi d'opérer une répartition de l'ensemble des titres, que ce soit ceux qui figuraient auparavant au catalogue Dark Horse et que nous continuons à publier, ou bien que ce soit ceux qui sont publiés depuis janvier chez Marvel et que Panel publie. Une situation à laquelle il va falloir s'habituer. Il va y avoir aujourd'hui deux acteurs présents pour traiter la licence bande dessinée Star Wars, aussi bien en librairie, avec des titres de différents horizons. Bien entendu, la seule différence que l'on peut noter, je pense que tu ne me contrediras pas, c'est qu'effectivement, tout ce qui aujourd'hui sort effectivement des studios Marvel aux États-Unis en termes de comics, ne sont pas les libellé Legends. Alors, ce fameux label Legends est une manière de rebooter l'intégralité des événements, de considérer que ce qui a été publié jusqu'à maintenant n'est pas canon. Qu'est-ce que ça signifie d'être canon? Et je vais être très honnête, parce que le fait qu'un récit ne soit pas canon aux yeux de Disney, en fait, ce sera un bon récit à lire. Non. En tout cas, de toute la réponse, c'est une question rhétorique. Maintenant, la réalité, c'est qu'effectivement, ça va être un petit peu tricky de s'approuver parfois, effectivement, dans les différentes publications. Alors, par contre, il y a quelque chose d'assez simple, c'est que, en fait, il n'y a que sur un truc qu'on publie la même chose. On ne publie jamais la même histoire, il n'y a que sur un point où on publie la même chose, c'est dans Star Wars Rebels pour Kids, on publie, nous, dans la revue mensuelle, qui est vendue avec un jouet et tout ça, les comics, et Delcourt les publie en librairie. C'est le seul truc qu'on publie en commun. Sinon, ce qui est publié par Delcourt, on n'y touche pas. Ce qui est publié par Panini, on n'y touche pas. Hein, je ne touchais pas, hein, merci. Et voilà, on... c'est pas les mêmes histoires. Ce que publie Delcourt, c'est l'univers légende, l'univers étendu, etc. Nous, c'est l'univers officiel. Voilà. Désolé, je n'entends pas. Est-ce que tu as moyen de faire circuler peut-être un micro ou de te rapprocher, ouais. Alors, je l'ai commenté la couverture tout à l'heure, effectivement, je te remercie de ta question. Et la question était, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, quand est-ce que sort le tome 4 de la saison Legacy, tome 2 il arrive en juillet, tout simplement. Voilà. Il vient de sortir tout juste le tome 3, il sort dans quelques jours. Je suis rentré en décalage dans ma tête entre le moment où on envoie les ouvrages chez l'imprimeur et le moment où il sort effectivement en librairie. Et le tome 4, lui, qui va conclure effectivement cette saga Legacy saison 2, qui arrive en juillet, qui va conclure l'intégralité de cette série-là. C'est la question qui revient, je vais y répondre.
peu. Pour l'instant, on n'en fait pas. Pour l'instant, on n'en fait pas. Quand on en fera un, on voudra justement en faire un bien. C'est-à-dire, voilà, un truc où vous serez hyper content d'être abonné. Et voilà. Donc, on y viendra à terme. C'est vrai que le coût de la couverture abonnée, c'est un truc auquel on a pensé aussi. Voilà, on y pense. On y réfléchit. Pareil, ça viendra peut-être plus tôt l'année prochaine, parce que c'est vrai que là, en plus, on est sur un magazine qui change de périodicité, comme je disais, on passe du trimestriel au bimestriel. Quand on sera sur quelque chose de plus fixe, on aura peut-être plus de moyens de répondre précisément à la question. Je crois que c'est à peu près la même réponse pour l'instant, voilà. Non. Merci beaucoup à vous, parce qu'on n'aurait pas pu faire ça sans l'adhésion et la fidélité, mais je voudrais juste préciser que ce n'est pas conjugué au passé et que ça va continuer. Hein. D'autres questions? Allez-y, on est chaud. Hein. Non? Simplement, ça ne peut pas. Nicolas Blaincourt, il n'y a vraiment rien que vous puissiez nous dire sur la surprise de fin d'année? Est-ce que ça restera une surprise? Un petit détail. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Voilà. Mais souvent l'imagination, on a beaucoup d'idées et on a beaucoup de manières, on va dire, de présenter effectivement dans une série complémentaire d'albums des récits qui jusqu'à maintenant sont restés entièrement inédits en librairie. Donc il y a de belles matières en fait à lire qui va nous permettre de mettre en avant des personnages majeurs de la série. Voilà. Allez-y, dites-le pas. Dans la série Star Wars classique, vous voyez combien de numéros? Donc, ah oui, pour la réédition donc, de la série Star Wars classique qui réédite la toute première série initialement publiée par Marvel puis reprise par Dark Horse ces dernières années, on va continuer à paraître sur un rythme qui va être de l'ordre de 2 volumes par an. D'accord. Donc là, on a un volume qui arrive au milieu d'année, mais pour juillet. On aura très probablement le volume 4 pour le tout début d'année 2016. Oui, alors ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais effectivement pour ce qui est de la surprise. Ça fait partie de ce matériel aujourd'hui qui reste soit entièrement inédit. Alors certains de ces matériels, des petits récits, ne sont pas forcément faciles à regrouper dans le cadre d'un album. D'autres, au contraire, effectivement, peuvent faire l'objet d'une publication en album. Et oui, bien sûr, on va aller moissonner l'intégralité à terme de ces récits qui n'ont pas eu de vie en librairie, parce qu'effectivement, c'était une approche, une stratégie différente, une politique différente de celle que va pratiquer Panini. On s'est toujours, justement face aux désidératas du lectorat jusqu'à maintenant, on s'est toujours un peu refusé en fait à présenter en album des récits qui avaient fait l'objet d'une prépublication en magazine. C'était une politique avec laquelle on s'est tenu quasiment depuis 10 ans jusqu'à maintenant. Dorénavant, les récits en magazine et les magazines sont entièrement refusés et sont plus disponibles. Ils ont été à la demande de Disney entièrement détruits. On a plus de stock dans ces magazines, c'est pourquoi on ne les propose plus ni sur nos pages Facebook ni sur nos sites internet. Et ça va permettre de rééditer sous un autre format, effectivement, une sélection de ces récits en album dans les années à venir. C'est ce qui viendra à la fois nourrir la série d'art d'ailleurs qui a été votée, la série de la continuité de la série d'ordre de détail, la continuité de la série de côté obscur et cette série de fin d'année notamment. Question importante pour le collectionneur. Est-ce que les ouvrages librairies de Panini garderont le même format, la même hauteur que ceux de Delcourt pour bien s'intégrer dans les 2,50 m de police? Peut-être le format comics normal de toute façon. Hein, je crois. Ouais, donc normalement, oui. Alors je ne promets pas au millimètre près. Hein, voilà. Il faudra peut-être mettre l'étagère musicale, quelque chose comme ça, mais normalement ce sera bon. On va juste préciser pour l'anecdote et pour le clin d'œil qu'on a dérogé cette règle du format comics avec La Guerre des Étoiles, qui était publiée en fin d'année dernière, parce qu'on a trouvé que c'était un ouvrage vraiment exceptionnel. Et je pense que vous avez donné raison en faisant en sorte que cet ouvrage soit épuisé très rapidement. Je rappelle, je devance peut-être une question à venir, mais en cours de l'impression.
n'est pas le cas, on va bien nous rester, je crois, complètement à vous remercier. Ah, si, si, on peut. Effectivement, qui est un ouvrage parodique et qui reprend la trame de l'épisode 4 et le suivant dans un contexte féodal. A priori, non, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage pour lequel on avait obtenu effectivement une autorisation officielle de Lucas de travailler dans ce registre parodique. Comme je vous ai précisé tout à l'heure, la donne a changé, tout simplement. Aujourd'hui, les maîtres à bord, c'est plus Lucasfilm, ce sont les gens de chez Disney, et ça devient un peu plus compliqué de travailler dans ce registre-là. En revanche, la société est en mode de l'objet d'une publication intégrale en format italien et restera disponible. Très très bon album. D'autres questions? Bon, en attendant, il ne reste plus qu'à vous remercier conjointement.